Comment réaliser vous-même un authentique rituel de désenvoûtement? Comment se protéger contre son ennemi dans son entourage, dans son quartier ou bien dans sa propre famille? Comment se protéger contre les attaques spirituelles? Comment se protéger contre la sorcellerie, la haine, la méchanceté? Comment se protéger contre son ennemi dans tes cauchemars? Attirer sur sol la protection divine. Rituel pour stopper les attaques spirituelles. Protection contre le choc en retour. Envoûtement affectif. Envoûtement de chance. Envoûtement de magie noire. Véritable fléau. L'envoûtement est toujours pratiqué en Afrique. Regardez bien cette vidéo. Veuillez chercher 16 graines de piment de Guinée que vous voyez dans la vidéo. Et cherchez les tiges de palmier à huile. Et les graines de palmier à huile seront dans le tige comme ça, comme vous voyez dans la vidéo. Et ça sert à vous désenvoûter contre toutes les attaques spirituelles, quel que soit le mal. D'accord? Quelle que soit la sorcellerie, la haine, la méchanceté, quelles que soient les attaques spirituelles. Vous allez enlever les graines de palmier à huile dans le tige comme ça que vous voyez. Et ces palmiers, ces graines de palmier à huile que vous avez enlevées, vous allez préparer ça. Et si vraiment, si vous êtes intéressé, si vraiment, si vous êtes envoûté par la sorcellerie, la haine, la méchanceté, quel que soit le mal, vous devez pratiquer ce rituel. C'est une astuce et en même temps, c'est un rituel que vous allez pratiquer. Et pour ceux qui sont dans ce besoin, pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire et je vais vous donner la suite de ce rituel. C'est un rituel qui est très très puissant et naturel. Vous allez vous en débarrasser de toutes les mauvaises sorts. D'accord? Merci.